Welcome to What is School of Languages. In this lesson, we shall have a look at medical French. When we talk about medical French, some of the statements that you need to express yourself. So let's quickly go and have a look at them. By expressing one's health status, use the expression that follows: j'ai mal à, or j'ai mal au, depending on the gender of the part of the body. Or, me fait mal, je suis, etc. Let's see. J'ai mal, I am in pain. J'ai mal, I am in pain. J'ai mal à la tête, I have a headache. J'ai mal à la tête, I have a headache. J'ai mal au ventre, I have a stomach ache. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge, I have a sore throat. J'ai les oreilles douloureuses. J'ai les oreilles douloureuses. I have sore ears. J'ai mal à la dent. I have a toothache. J'ai mal à la dent. I have a toothache. Je suis malade. I am sick. Je suis malade. I am sick. Madame Chido can say, je suis malade. It means Madame Chido is sick. Je sens que je suis malade. I am feeling sick. Je sens que je suis malade. I am feeling sick. The following phrases, let's go back to the sentences and use them again. Can you repeat after me? J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Madame Suza cannot swallow water because she has a sore throat. She said, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai les oreilles douloureuses. J'ai les oreilles douloureuses. J'ai mal à la dent. J'ai mal à la dent. Je suis malade. Je suis malade. Je sens que je suis malade. Je sens que je suis malade. The following phrases are useful when describing where it hurts. Checking out this lesson for body parts in French. You say, j'ai mal au bras. My arm hurts. J'ai mal au bras. My arm hurts. Ma jambe me fait mal. My leg hurts. Ma jambe me fait mal. Ma tête me fait mal. My head hurts. Ma tête me fait mal. Mon genou me fait mal. Mon genou me fait mal. Mes fesses me font mal. Mes fesses me font mal. Ma gencive me fait mal. My gum hurts. Ma gencive me fait mal. My gum hurts. Mon pied me fait mal. My foot hurts. Mon pied me fait mal. My foot hurts. Mon doigt me fait mal. My finger hurts. Mon doigt me fait mal. My finger hurts. Mon orteil me fait mal. My toe hurts. Mon orteil me fait mal. My toe hurts. J'ai mal à l'œil. J'ai mal à l'œil. My eye hurts. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal à l'épaule. My shoulder hurts. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. My back hurts. We just have to go back and read the sentences again. Kindly repeat after me. J'ai mal au bras. J'ai mal au bras. Ma jambe me fait mal. Ma jambe me fait mal. Ma tête me fait mal. Ma tête me fait mal. Mon genou me fait mal. Mon genou me fait mal. Mes fesses me font mal. Mes fesses me font mal. Ma gencive me fait mal. Ma gencive me fait mal. Mon pied me fait mal. Mon pied me fait mal. Mon doigt me fait mal. Mon doigt me fait mal.
Mon orteil me fait mal. Mon orteil me fait mal. J'ai mal à l'œil. J'ai mal à l'œil. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Thank you. Let's continue with this test. Match these adjectives with the correct meaning from the list below. These are the adjectives here. You're going to match them with the correct meaning. Cardiovasculaire. Cardiovasculaire. Coronaire. Gastrointestinal. Musculaire. Neurologique. Pulmonaire. Respiratoire. Squelettique. Urinaire. Vasculaire. This activity, you have to do it on your own. Just go below the video. You see there's a space where you can ask questions. You type the name in French and you bring the meaning in English against the words. So you write French words here and English words. So you arrange them according to their meaning and you submit. When you submit, you get replies. To tell you that it is an interactive online platform where you can ask questions and get replies. This time around, send your response, your answer, and we are going to give you the marks. Thank you for watching. So you continue with the test. Merci. Let's continue with this one. In this lesson, you express yourself by using je, meaning I have, and add the status. Let's look at this one. J'ai attrapé froid. I have cold. J'ai la grippe. I have the flu. J'ai une infection. I have an infection. J'ai un virus. I have a virus. J'ai de l'allergie. I have an allergy. You read it again. J'ai attrapé froid. J'ai la grippe. J'ai une infection. J'ai un virus. J'ai de l'allergie. Maybe you cut yourself and you need a bandage. You might need some sleeping pills for a long haul flight or cough syrup. How will you say that in French? Let's have a look at it. Here is what you have to say. J'ai besoin d'un bandage. J'ai besoin d'un bandage. J'ai besoin d'un plâtre. I need a plaster or band-aid. J'ai besoin d'anti-inflammatoire. I need some painkillers. J'ai besoin d'anti-inflammatoire. You say anti-inflammatoire. J'ai besoin de somnifères. I need some sleeping pills. J'ai besoin d'un sirop pour la toux. I need some cough syrup. J'ai besoin de pastilles pour la gorge. I need some sore laryngitis. J'ai besoin d'une prescription. I need a prescription. J'ai besoin d'une tablette de pilule contraceptive. I need contraceptive or contraception. Here are some more statements. But before then, let's read this once again. J'ai besoin d'un bandage. Repeat after me. J'ai besoin d'un plâtre. J'ai besoin d'anti-inflammatoire. J'ai besoin de somnifères. J'ai besoin d'un sirop pour la toux. J'ai besoin de pastilles pour la gorge. J'ai besoin d'une prescription. J'ai besoin d'une tablette de pilule contraceptive. Here are some more phrases and words. La pharmacie, the pharmacy. Un médicament, the medicine. Le docteur ou le médecin, the doctor. Une ambulance, the ambulance. Appeler une ambulance, call an ambulance. L'hôpital, the hospital. Let's go over again.
La pharmacie, la pharmacie. Un médicament, le médecin. Le docteur ou le médecin, le docteur. Une ambulance, l'ambulance. Appeler une ambulance, call an ambulance. L'hôpital, the hospital. This page gives French word for the main part of the body. Note that part of the body in French are usually used with the definite article le, la, les. Even though in English, you would often use a possessive one, like mine, his, etc. This is the end of the lesson. I entreat you to watch the video again. Take your time, do the activity, and submit. You can still replay the video several times. Merci, au revoir, à très bientôt. Bye-bye.